j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on blablate pas, pas d'intro de 2 minutes. On est direct sur Fortnite Battle Royale. Mais on se retrouve pas pour n'importe quelle vidéo. Attendez, attendez, avant de vous expliquer le concept, de toute façon vous l'avez vu dans le titre, on va sauter à Lazy Lake. Dans cette vidéo, à chaque kill que... Oh damn. Les mains du skin. Oui, je suis le seul mec à fantasmer sur des mains du skin. Et quand je fantasme, je pète. Non, dans cette vidéo, on se retrouve, on a le chocolat le plus piquant du monde. Il y a écrit 6,4 millions sur l'échelle de Scoville. Je le sors du paquet. Et à chaque kill... Merde, merde, merde. Faut que j'atterrisse. Putain, j'aurais dû faire une intro comme tout le monde. J'ai voulu trop... Oh, il y a un pompe là-bas. Putain, je l'ai pas eu. Oh my god. Attendez, je vais récupérer le pompe pour pomper tout le monde. Je me pose sur un banc. Comme si j'étais puni. Et je vous explique. Donc, il y a le chocolat le plus piquant du monde. Je vous jure que c'est le chocolat le plus piquant du monde. J'en suis sûr, il y en a, ils vont croire que j'ai acheté la boîte, j'ai pris un autre chocolat pour faire semblant et tout. Mais je vous jure que moi, j'ai envie de jouer le jeu jusqu'au bout. Attendez 2 secondes, je caresse mes pieds parce que je l'ai pas fait au début de cette vidéo. Ils sont jaloux un peu. Je les entends depuis tout à l'heure, ils me crient. Et ça se fait pas. Non, dans cette vidéo, à chaque kill que je ferai, eh ben je ferai un croc dans un carreau le plus piquant au monde. Vous savez, vous allez me dire, ouais mais Sticky, t'as qu'à ne pas faire de kill. Mais si je meurs, je dois faire 2 crocs. Donc j'ai intérêt à faire des kills. Donc dans tous les cas, je ne passerai pas à côté de ça. Je vous jure que c'est le chocolat le plus piquant du monde. Regardez, tellement que c'est le chocolat le plus piquant du monde, regardez ce qui est écrit sur le paquet. Instant regret. J'ai pas envie de regretter. Quand on sent le chocolat, je vous jure. Putain, y'a mon chat qui me regarde depuis tout à l'heure. Tu veux du chocolat? Non, t'en auras pas. Pouh. Je vous jure, quand on sent, ça sent du vrai chocolat. Ah non, en fait, ça sent la merde. Oh bah, ça sera pas difficile à manger, j'adore manger la merde. Non, je rigole. Du coup, on le pose ici. Et vous êtes quoi? Je sais plus parler, donc je me mets une tarte. Et vous voyez mon skin, je lui mets une tarte aux fesses aussi. Let's go. Bon, déjà, faudra trouver des armes. C'est un peu le but du jeu. Et oh, les armes, s'il vous plaît, je vais vous déglinguer. Wesh. Y'a mon chat qui s'est barré. C'est parce que je crie trop fort, c'est ça? Bah ouais, dégage. On a le droit de crier comme on veut. Allez, on saute, on passe par l'ascenseur. Wesh, Nachetan. C'est quoi ça? Mais Nachetan, guettez. En plus, il a mis un short. Mais ils sont en train de manger des pizzas. Wesh, ils sont synchro. Je peux avoir une part, s'il vous plaît? Bon, je sais pas si les bots, ça compte comme des... comme des kills. Est-ce que les bots ça compte? On va dire les bots ça compte pas comme des kills. Je suis désolé. Bon allez, on va dire que les bots ça compte comme des kills. On se met sur le canapé. En fait je suis excité rien qu'à goûter un petit bout. Oh non, y'a un mec qui arrive. Ok, ok. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Boum. Tiens. Non. Je dois me faire un croc. Putain. Ça m'énerve. Je mets des coups de boule dans le mur. 1. Oui, mon skin est en train de mettre des coups de boule dans le mur. Ça se voit pas parce qu'il sait pas très bien faire. Oh putain, y'a un autre mec. Viens ici. Monte ta tête. Ta tête d'hamster. Non, je dois faire 2 crocs. Putain de piano de merde. Ouais, je m'énerve contre un piano. Putain. Bon, vous voyez ce petit truc là? On va croquer dedans. J'espère, je vous jure que ça fait pas mal. Allez, vous savez quoi? Putain, mais il y a écrit instant de regret. J'ai peur, je vous jure que j'ai peur. Allez, 3, 2, 1. Bismillah. Ah, je vous jure que j'ai pas la rigolade. Non. Non. J'ai du lait. Oh, y'a la zone. Y'a la zone. Non, je vais mourir. Non. Putain de lutin de merde, il me regarde mal. Putain, la zone elle est loin ou pas? Ah, j'ai plus de langue. Je vous jure, je simule pas. Testez ça, enfin non, testez pas ça chez vous. Pourquoi j'ai fait cette vidéo? Wesh, le lait ça fait du bien de fou. J'ai plus envie de rire, je vous jure, j'ai plus envie de rire. Mais putain, mais y'a un sapin de merde qui me bloque la route. Oh je vais le déglinguer. Oh y'a des papillons. Y'a des papillons pour me remonter le moral. Venez s'il vous plaît, je vais vous manger. Un script les papillons, ça va passer le piquant. Oh putain, je vais mourir de la zone en plus. Vas-y, c'est quoi ce jeu de merde? J'ai pas compris, qu'est-ce qu'il arrive? J'ai pas compris, qu'est-ce qu'il arrive? J'ai pas compris, qu'est-ce qu'il arrive? Dans ma belle vie, qu'est-ce qu'il arrive? Au revoir my lover, au revoir my friend. Tu m'es trompé bébé.
hours later. Écoutez-moi bien, je ne vais pas pouvoir parler longtemps, mais juste les quelques mots que j'ai envie de vous dire. Putain, ok, je vais vous expliquer la sensation que ça fait. Alors déjà, de base, quand tu manges du piment, ça te donne chaud. Là, j'ai aucune chaleur, mais quand je vous dis aucune chaleur, j'ai vraiment niet chaleur, rien de chaleur, zéro chaleur. Zéro comme la tête à Toto. Oui, j'arrive à faire des blagues alors que ça me pique encore. Je vais vous expliquer la sensation. Il y a aucune chaleur, mais par contre, dans la bouche, vous avez l'impression, il y a Sangoku plus Sangohan plus Vegeta, tous les Saiyans plus tous les mecs de la planète Vegeta qui sont en train de se transformer en Super Saiyan dans ta bouche. Et t'as la sensation. J'arrive pas à parler, je vous jure. J'ai même pas fait un gros croc. J'ai fait un mini croc. C'était même pas un mini croc. Oh putain, j'arrive même plus à parler. J'ai fini deux bouteilles de lait. J'ai mangé beaucoup de pain. Et j'ai toujours mal. Je ne vais pas pouvoir refaire une game. J'ai pris trop à la légère ce défi. J'ai fait une vidéo il y a de ça presque un an où je faisais à chaque croc, à chaque kill un croc dans le piment le plus piquant au monde. Mais le piment le plus piquant au monde à côté de ça, c'est la pisse de chat. Et ouais, on cale des petits rimes, tu connais, aïe aïe aïe. Je peux pas. Ça va être la vidéo la plus courte de ma chaîne YouTube. Mais je ne peux pas. Je vous jure que je ne peux pas continuer. J'ai pris trop à la légère ce défi. Ouais. Si vous voulez vraiment un deuxième épisode où cette fois-ci je me prépare mentalement, ou pendant des semaines avant je mange du piment le plus moins fort au piment le plus fort pour ensuite passer à ça, n'hésitez pas à mettre 50 000 pouces bleus. Je compte sur vous, je sais pas si on va les faire. J'espère qu'on va pas les faire parce que j'ai vraiment pas envie de refaire ça. Attention, à votre avis, dans ma main, est-ce qu'il y a un bouchon? Et bien évidemment il y a un bouchon, du coup on le mange. Et toujours la bouche en feu. Et ça va mieux. Je vous jure que comme ça, vous croyez que c'est un chocolat normal. Même quand on sent, ça sent le chocolat normal. Mais je vous jure que c'est pas un chocolat normal. Tellement que c'est pas un chocolat normal. Ne jugez pas ma coupe s'il vous plaît. On va mettre le chocolat sur notre tête. On va mettre un bonnet avec. Comme ça le chocolat il tient sur la tête avec le bonnet. Voili voilou. Et vu que c'est un chocolat de merde, le chocolat il est là sur la tête. On va l'exploser. Je vous jure, on va l'exploser. Vous êtes prêts? Il est tombé direct. Chocolat de merde. Je lui fais quand même un petit bisou. Oh putain, ça brûle rien que les lèvres. Fais un bisou, ça brûle les lèvres. Bon, on a plus heureusement, j'espère que cette vidéo vous aura plu. 50 000 pouces bleus. Et sur ce, moi je vous dis ciao. Ne refaites pas ce défi chez vous. Je vous jure, je fais un croc de plus. Je termine à l'hôpital. Oh, why always me? Ooh, oh, like I'm Balotelli. Ooh, oh, why always me?